Dans ce premier épisode de Comics sans MS, vous allez découvrir le Caméléon, ancien junkie qui a acquis des compétences de métamorphose. Il travaille aujourd'hui pour l'Association, un groupe recensant la totalité des humains comme qui dirait spéciaux. Vous découvrirez également Sauvage, un enfant qui s'est élevé seul dans la nature. Il a développé des facultés animales au cours de sa vie et il apprend aujourd'hui à s'en servir grâce à des instructeurs dans la mafia qui l'ont embrigadé dans le but de s'en servir comme d'une arme. Je vais maintenant vous laisser là. Le Caméléon arrive sur les lieux. Ça serait dommage de louper ça. Je suis à l'adresse indiquée. Directement, il y aura un garde. Salue-le comme si de rien n'était, puis neutralise-le dans l'ascenseur. Je te rappelle que la cible à neutraliser est un enfant. N'y va pas trop fort, l'association le veut en vie. C'est parti. Oui, c'est moi. J'ai la cible. Mais il y a un tout petit problème. J'ai pas été assez discret. Encore ? Ok, retourne sur tes pas. Mais ils auront bloqué les ascenseurs et les portes automatiques. Prends les escaliers de secours sur ta gauche, puis au bout du couloir. Dans le prochain épisode, le cadre sera bien différent, puisque nous suivrons l'avancée de Lancelot et de son acolyte, le bras droit.